Coucou les amis, c'est encore moi, Henri. Vous êtes-vous bien amusé à Halloween? Pour cet Halloween, j'ai téléchargé une vidéo sur l'effrayante blague d'Halloween que j'ai faite à mes amis, ainsi que leur réaction hilarante. Est-ce que cette citrouille, ce squelette sortant de l'écran et l'effet fantôme vous effraye? Alors suivez-moi car aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce type de vidéo et comment piéger vos amis de cette manière. Fondamentalement, il y a trois étapes pour réaliser ce type de vidéo de piège avec un écran effrayant. Étape 1. Visitez la chaîne YouTube de Filmora France et téléchargez ici des vidéos d'écran vert. Voyez-vous ce bouton de téléchargement? Si vous installez Wondershare Video Converter Ultimate, vous l'aurez. Cliquez simplement sur le bouton et sélectionnez 1080p. L'une des choses que je préfère avec ce bouton, c'est la possibilité de télécharger la playlist entière ou une seule vidéo. Choisissez Playlist. Super pratique. Étape 2. Il faut que nous puissions trouver un motif qui incite la victime de la blague à se concentrer sur l'écran. Pour ma part, j'ai rédigé ce questionnaire d'enquête interne. Vous pourriez également trouver d'autres idées. Maintenant, je fais une capture complète de l'écran afin que les victimes ne remarquent pas que c'est en fait une vidéo. Cela semble réel, n'est-ce pas? Étape 3. Importez l'image de la capture d'écran et les images d'écran vert dans Filmora. Faites glisser l'image vers la piste vidéo et faites glisser l'effet effrayant vers la piste PIP. Sélectionnez-le et cliquez sur le bouton de l'écran vert. Puis, rendez la partie verte transparente. Il faut également augmenter l'intensité pour réduire la distorsion et les grains. Ajustez la durée des deux fichiers médias. Voilà! Nous avons une vidéo d'écran piégée. Cliquez sur le bouton lecture pour la prévisualiser. Maintenant, exportons-la. Choisissez MP4 comme format et sélectionnez réglages. Rappelez-vous que plus la qualité sera bonne, plus il sera difficile de se rendre compte qu'il s'agit en réalité d'une vidéo. L'un des éléments qui détermine la qualité de la vidéo est le bitrate. Nous le réglerons donc au-dessus de 10 000. Cliquez ensuite sur OK et exporter. Parfait! Installons maintenant la salle pour l'enquête interne. Dans quelques minutes, je vais inviter les victimes à faire un sondage dans cette salle de réunion. J'ai caché deux caméras GoPro pour tout enregistrer. Laissez-moi vous les montrer. Il y en a une ici sur l'étagère pour enregistrer l'ensemble des interactions et leurs réactions. L'autre est ici, sur le mur. Pour enregistrer le dos de la victime et l'écran. Et il y a une autre caméra. Il s'agit d'une caméra frontale installée sur ce Mac pour enregistrer la vue rapprochée de leur réaction. Ensuite, je vais vous montrer comment enregistrer avec la caméra frontale sur ce Mac. Ouvrez Filmora. Créez un nouveau film. Sélectionnez « Importation de médias », puis choisissez « Webcam ». Cliquez sur ce bouton rouge pour enregistrer à partir d'une webcam. Toutefois, en faisant cela, il y a un feu vert qui s'allume et pourrait rendre vos victimes suspicieuses. Nous pouvons donc le couvrir avec un pur ruban noir ou un autocollant comme celui-ci. Allons-y! Après avoir commencé à enregistrer avec toutes les caméras, ouvrons cette vidéo piégée avec QuickTime en mode plein écran. Maintenant, elle semble si réelle qu'ils ne remarqueront même pas que c'est une vidéo. Lançons maintenant la lecture en appuyant sur le bouton espace de ce clavier Bluetooth. Qui sera caché ici afin que les victimes ne remarquent pas que je l'ai déplacé? En outre, je vais mettre un faux clavier pour le recouvrir. Oh! L'une des choses les plus importantes, assurez-vous que vos victimes portent un casque, parce que le résultat est alors beaucoup plus impactant que quand le son provient du haut-parleur. Enfin, nous importons les réactions enregistrées sur Filmora pour le montage, comme ça. Je pense que montrer trois écrans à la fois peut créer une distraction, parce que les téléspectateurs peuvent avoir du mal à se concentrer sur un seul angle. J'ai donc mis deux écrans de différentes caméras en utilisant la fonctionnalité PIP. Voilà donc les coulisses de notre effrayante blague d'Halloween.
et nous mettrons fréquemment à jour les séquences sur écran vert pour vous. Laissez-nous donc un commentaire s'il y a un effet spécial que vous souhaitez que nous fassions. Sachez par ailleurs qu'il est facile de réaliser ces vidéos comme un pro avec Filmora. Il suffit de cliquer sur ce lien ici pour télécharger votre version d'essai gratuite. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour accéder à des astuces encore plus créatives et plus dingues. À plus !